Comment lui? Et j'aime quand voilà nous exactement dans l'école Guatemala, l'école nationale du Guatemala. Ok, nous dans l'école nationale du Guatemala, nous venons assister ensemble avec. Timon Enescatio qui est dans dernier jour examen là, on fait garder pour nous. On fait montrer nous comment ça arrive. Qui ça le sait? 194. Ok. Et comment séance était que surveillant qui genre et comportement et attitude monsieur Damien qui a composé là jusqu'à vous avez bien avancé bien si vous parlez à le téléphone vous parlez pour un point vous avez téléphone qui est bien vous parlez à le téléphone pour le coup tout téléphone remet et qui ça qui explique un élève pas bon ça passe ça passe yeah. est-ce que c'est façon chez vous fait tu façon chez vous fait tu ou bien façon numéro de Dieu parce que chaque jour. Et venez, je viens de vous et chaque jour, non, ça différent ou chaque jour, non, ça différent. Ok. C'est pas tâche là. Et il faut que nous nous Pas là. Chers amis de la presse, merci, bienvenue. Nous connaissons le ministère de l'Éducation nationale chaque année, il y a rendez-vous ça. Pas bon. Organiser l'examen d'État, demander une mobilisation, une ressource. Et je dis à nous, bien enfin, S4 là,
bien que nous avons continué dans l'examen puisque nous avons école professionnelle de Kalgorosé à partir de lundi. Donc, je dis à son plaisir pour le directeur général là, directeur enseignement secondaire, directeur départemental Ouest-là, ordonnateur général enseignement et qualité pour parler avec nous sur le résultat opération en général. Donc, tout d'abord, nous avons le directeur général là, c'est Yves Aublin, là. Nous avons le ordonnateur, directeur départemental Ouest-là, M. France Etienne, et puis directeur enseignement secondaire, M. Miguel Fleury-Jean, et puis ordonnateur Paul, enseignement et qualité, ordonnateur Jean Moïse. Alors, tout de suite, ma place nous, directeur général là, pour parler sur les questions générales. Nous saluons les hautes autorités de l'État, nous saluons les collègues des syndicats de science, ainsi que les amis de la presse qui ont été présents pour faire une couverture médiatique de cette conférence de presse. Moi, je suis Yves Roublin, le nouveau directeur général du ministère de l'Éducation nationale. Je suis un nouveau directeur général, mais un ancien employé du ministère parce que j'ai travaillé depuis un temps et que j'ai bossé dans le Bureau national de l'État médical avec Moïse de Pierre. J'ai bossé dans l'enseignement secondaire avec M. Augustin Antoine et M. Jackson Beto. J'ai bossé dans la direction de planification et son ancien directeur de la planification avec Charles Devel Joseph. C'est un petit peu de quelqu'un qui se connaît et quelqu'un qui connaît bien les choses et les gens de la filière de l'éducation nationale, particulièrement de la question de la gouvernance et du secteur. Et que nous sommes là pour clôturer, on est capable de dire, la passation des tests au niveau du pays. Et qu'avant, le ministre avec le ministre du Canada, de son point de presse, c'est sur l'examen, c'est sur l'année scolaire. Et que matin, moi-même, moi j'étais dans la République Équateur, l'école nationale. Moi j'étais dans le conseil de retour dans l'école Nassau. Et que nous passions dans toutes sortes de choses. Je dis à la après-midi à la l'école nationale du Guatemala pour nous faire des points de presse. Comme tout le monde, la question d'examen, c'est une voie d'activité au ministère de l'Éducation. Parce que la question d'examen, il y a un ensemble d'étapes. Nous avons commencé dans l'inscription, nous passons dans la validation des candidats, et que nous avons dans l'émission de fiches, toute l'école de fiches, et que nous avons dans l'élaboration des textes d'examen. Élaboration des items pour le montage des prototypes d'examen qui peuvent avoir fait une passation. Et que nous devons nous mettre dans le 25 août, puis le 28 août, dans passation et administration des tests au niveau du pays, que ce soit au niveau de la macro-planification, c'est-à-dire le niveau central et le département de la proximité, et au niveau de la micro-planification avec les différentes direction départementale d'éducation. Parce que les après examen, vous devez de l'UNEX, d'accord, comme le Bureau national des examens, mais il y a un ensemble de l'UNEX de l'État haïtien inscrit dans le cadre du cours en deux directions départementales pour être capable d'organiser l'examen. Et c'est dans ce sens-là nous sommes en passation. Et après passation, nous allons en correction. Correction, il y a une direction qui s'en occupe, on sait bien. La direction de l'enseignement secondaire avec notre collègue Miguel Fleury-Jean qui est là. Et nous demandons Miguel Fleury-Jean qu'on organise un séminaire avant la correction et sur l'éthique. Sur l'éthique, parce qu'on est que dans la question de l'éthymologie, il y a ce qu'on peut appeler les effets de parasites. Il y a comme distrait, la baille-note. Ils ont une belle feuille devant, pas dans rien, mais la baille-note. Nous disons, pour nous intervenir sur la question éthique examen. Et nous disons, nous avons bien pour intervenir dans la question simple des examens, hein, question d'évaluation. Comment pour nous faire une note dans l'examen, même si pour être au point de question déjà, parce qu'on a plus de ces mots qui sont compétents, mais il est toujours bon
pour faire un rappel, pour faire un rappel, c'est ça. C'est dans ce sens-là, le projet A, nous gagnons, c'est nous gagnons sur l'éthique et la déontologie, ainsi que sur la docimologie. Et en fin de compte, c'est bien la question de certification, puisque vous avez dit aujourd'hui, c'est de l'amont à l'aval, des inscriptions pour aller tomber dans la certification. Et après passation, c'est résultat. Tout parent, après tant de résultats, et nous-mêmes, nous t'as souhaité, d'accord? Et si nous avons réussi, nous avons dans quelles conditions examinant et organisé et anissa. On est sur le déponant. Une crise récurrente. Et cette crise-là a eu des incidences sur l'enseignement apprentissage. Et nous avons vu si nous avons des difficultés et sur le déponantisme, etc. Mais nous capables de dire que le dernier point, c'est bien la certification. Si vous avez passé 3 ans dans le scolaire, 9 ans dans le fondamental, 4 ans dans le nouveau secondaire, ça fait 16 ans d'études. L'État sanctionné le famille, le manier, l'État sanctionné tout. Et par nous-mêmes. Pour ça, nous la justice. Pour ça, nous demandons justice. En réalité, combien heures de temps toujours bail pour chaque examen? Mais est-ce que l'examen avant nous t'est bien proposé? Non, nous ne pas nous proposer. Mais combien d'examens des gens ça vous fait? Nous vous proposer une université pour nous, pour nous. Comment mathématiques date? Qui ça qui explique les difficultés dans l'examen créole là? D'abord, le maternel là c'est créole. Est-ce que c'est un peu de temps ou pas bon nous? Youn? C'est un peu de temps ou pas bon nous qui fait nous passer si nous à l'aise? Mais est-ce qu'on a un examen qui a empêché un élève de passer? Bon, ça dépend parce que nous avons des corrections et parfois il y a des soutes et il y a des photos. Il n'y a pas plus de bonnes corrections avec soin. Ça n'a pas plus de bonnes directrices. Si tu as un message ou tu as voulu aller par le ministre, quel message que tu as vu? Normalement, puisque moi-même, déjà que je vais parler de ça, ma foi est nécessaire. Je vais vous donner un peu de temps.
Oui, alors, faisons une récapitulation pour nous sur les trois premiers jours, comment dire. Alors, dis-nous quelques mots. Et tout à l'heure, là, pratiquement, nous avons gardé avec une difficulté où tu as proposé. Comment va regarder là, même? Alors, excusez, et dit qu'on l'a casé, nous connaissons le c'est le bout. Logiquement, c'est la matière qui est le plus facile pour nous proposer. Qui ça qui t'a gagné dans la matière, ça, dans le créole, là, qui l'a posé était aussi difficile que nous avons étudié là? Une basse au cible. Mais c'est notre bagage, c'est pas qui n'a pas de rapport avec ça, nous étudions, ou bien c'est pas qui n'a pas de rapport avec l'école. Là. Le bon nous, on dit qu'il n'y a pas sorti, alors sort des études, il n'y a pas sorti. Qui ça est SVT offert ou du moins SVT? Non, SVT, qui matière qui basique, qui matière qui primordial pour vous? Est-ce que vous avez frappé biologie ou arrêt de selon même qui j'ai un résultat ou à bien pour ok, vas-y, ou bien pourcentage, chance pour pas passer, j'en dis. Où tu mets des négatifs là tout? Ok, 60% positif, 40% négatif. Ou bien plus pourcentage, vous ne pas passer la blanche. Parce que depuis la journée, je suis en train de me faire un peu de temps. Blanc, après que je suis en train de me faire un peu de temps. On surveille qui vole en téléphone. Oh!
arrêter pour aller à l'école. Tu vas la belle ou? Dis-nous, non, comment examen était? Question qui est plus difficile pour l'encre là, bonne question. Et que on jeune garçon qui sorti dans examen NS4, ça va jamais niveau rentrer dans une bibliothèque ou aller lire mon livre créole en hauteur. Parce que c'est pas nous les élèves qui pas de jambes pour nous préparer l'examen et qui la faut jouer pour nous carguer un petit peu ça. Premier examen, deuxième examen, et filmons le d'abord nous. Dans le dernier jour, après nous. Ah, mais pas un problème de succès. Okay. Et combien de pourcentage là il y a là pour entrer dans la faculté? Combien il y a là même? 40%? Combien? 70. Pas un problème. Ça fait 5 fois où vient l'examen? 5 fois. Oui, c'est la vie, 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 c'est
Est-ce que c'est vous-même le téléphone de Belge? Pour le téléphone de Belge? Expliquez-nous comment le téléphone de Belge? Hey, merci à nous pour Titan Salbanou et qu'il a continué de travailler avec nous pour reste ce processus. Donc c'est vrai, nous avons démarré avec la question pour nous faire montage, des montages pour nous faire relecture, des relectures pour nous arriver là, dans la passation examen. Et des passations examen, nous allons arriver dans la correction examen et la publication des résultats. Nous devons rappeler le directeur général de la FEC Sodilla et le ministre Antoine Augustin de rappeler. Et nous vivons à en tragédie scolaire. Plus fort que nous avons là, je ne veux dire qu'à la fin de l'école, c'est des gens qui sont rentrés à l'école en 2008. Donc, c'est comme si c'était la génération qui connaît la guerre d'Espagne, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pour faire l'éducation. Parce que nous, c'est eux-mêmes qui connaissent la grosse catastrophe naturelle 2010 là, de l'école.
après pour y aller connaître toute quantité pays là grève qui gagne, il y a le connaître l'autre tremblement de terre qui gagne dans le grand sud là et également tragédie qu'elle a vu aujourd'hui. Donc c'est une génération vraiment de résignés mais qui gagne capacité jusqu'à présent pour transcender tout problème ça et pour là ensemble avec. Donc dans ce sens ça nous te prenons disposition pour examiner qu'a gagne là, qui capable faire pour monde qui traumatisé tout. Dans la mesure où on doit manquer concentration composée. On va à l'échelle nationale, comme pour tous les représentants de dit là, texte examen, nous avons pris le temps pour nous faire. Et là, je tout remercie environ 135 grands professeurs du pays d'Haïti. Nous avons publié le n'importe qui chita depuis le mois de mars, mois d'avril, toute notre crise, qui dit mais comment pour examen, pour répondre vraiment à attendre et mesurer ça ne t'a pas bien. Nous disons mesurer pour qui ça? Parce que nous ne pouvons pas faire examen comme nous, ça aurait un light back, back allégé que nous devons faire longtemps. C'est-à-dire, quel que soit les haïtiens qui sont là, si ils arrivent en République dominicaine, ou bien n'importe côté sur la terre, niveau lien qui permet d'entrer à l'université. Nous te disons ça, nous rappelons ça, nous gagnons ça, et c'est un élément qui passe là, je ne veux dire. Mais songez, vous efforcez ça, je ne veux dire, que nous arrivons à faire. Parce que là, je dis, nous avons 121 000 personnes qui ont composé. Il y a un gros pays dans le Cameroun. Dans le secondaire général, il y a 135 000 personnes. Cameroun. Cameroun. Alors que nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, nous avons 121 000 personnes qui ont composé là. 110 là-dedans, sont dans NS4 qui vient pour la première fois. Il y a 10 000 là-dedans, c'est des gens qui ont recomposé, qui ont un bac permanent. Même si vous voulez tout souligner pour nous, bac traditionnel, là, ça veut dire les philo, il y a plus l'autre monde dépassé là-dedans. Il y a moins que 1000 personnes qui ont composé là-dedans. Et avec le temps, le ministère a pris une décision et que pas bien bac traditionnel encore. Bac, ça a fini. Nous entrons généralement dans le bac nouveau secondaire. Là, et il y a une possibilité pour nous entrer dans l'autre secondaire que nous allons louer. L'autre année, il y a une filière enseignement technologique que le ministère a travaillé sous le lit pour nous. Donc, c'est autre chose, c'est ça nous a annoncé pour le moment. Mais faut nous dire, journée aujourd'hui, il y a plus que 400 professeurs qui pourraient corriger dans le baccalauréat qui recevront l'aide. Et avant lundi, dans l'Ouest, il y a bien plus fort professeur qui a l'aide dans le monde. De quoi pour nous passer avec tout le processus qui va gagner. Le directeur général l'a souligné, à l'échelle nationale et pas pour l'Ouest, tout professeur qui pourrait corriger ici a subi. Ou c'est pas une thèse d'évaluation n'a pas mais n'a pas le fait ou forme des séminaires qui va le permettre de travailler sur l'éthique, la responsabilité de la correction, qui va le faire pour tout le monde à l'échelle nationale qui a concerné presque 3000 personnes qui ont dans l'espace. Les secrétaires jury qui participent dans ça, on va le former. Les gens qui ont fait saisie, on va le former. Parce que nous voulons tout simplement une génération qui fait tout le temps ça, l'école, dans le temps difficile, ça. Il n'y a aucun monde bêtisé avec l'effort qu'il faut faire et ça fait notre travail pour systématiser ça. Le ministre l'a clair sur lui, restaurer l'autorité de l'école, c'est crédibiliser les examens d'État. Merci beaucoup. On a trois questions. Merci Jean-Miguel.
Créole pour moi, chapeau, parce que nous on a tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, créole pour moi là, créole pour moi, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour moi, SPS, son choix lui. Et moi, c'est créole pour moi, SPS, fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec créole pour moi, sans grand souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous pi gros plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attend nous pour mander qui sont besoin, qui sont à remet et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans souffle. Ciao.